السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم كاملين. أنتم هون في كونفرنس زوم في جروب ستاف ميدسين موريتانيا اللي هو مجموعة على الواتساب. الليلة طبعا راح نشوف مع الدكتور حدو عبد الودود اندوكرينولوج، راح نشوف معاه ان كونديتا تنير دوفا ان دي كومبانساسيون سيتو اسيدوزيك. Donc, c'est une complication aiguë du diabète, bien sûr. Elle est très fréquente. C'est une présentation, bien sûr, destinée aux médecins qui sont à l'intérieur. مرحبا بالدكتور حدو. ولا نبقى نخسروا ياسم الوقت بين اللي بدأنا متأخرين. نختار الشرع عن هاي la présentation اللي تعود disponible على قناة جروب ستاف ميدسين موريتانيا على اليوتيوب. تعود disponible مباشرة في فورم دي زوديو على جروب ستاف ميدسين موريتانيا. مرحبا بالسير دكتور حدو، معك الكلام. مرحبا بك دكتور زويد، طبعا السلام عليكم ورحمة الله. معك 45 مينيت ولا 40 مينيت وراه اللي نفتحوا المجال للأسئلة. مرحبا وسهلا. شكرا جزيلا دكتور زويد، السلام عليكم ورحمة الله. بونسوار شير كوليك، ماي اسمي دكتور حدو عبد الودود، سبيسياليست ان اندوكرينولوجي دايابيتولوجي مالادي ميتابوليك. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir cette conduite à tenir devant une décompensation cétoacidosique. Donc, pour rentrer directement dans le sujet, donc on va adopter ce plan. On commence par l'introduction, on parle un peu de la physiopathologie, on ne va pas insister. Donc, les circonstances de découverte, la démarche diagnostique, le diagnostic positif, le diagnostic de gravité, une démarche étiologique, la prise en charge thérapeutique avant de conclure. Donc, en guise d'introduction, il faut d'abord commencer par parler par le diabète, parce que la cétoacidose constitue une complication du diabète. Donc, il faut parler d'abord du diabète, qui est défini, c'est un groupe de maladies métaboliques caractérisé par une hyperglycémie chronique résultant d'un défaut de la sécrétion de l'insuline ou de son action ou de ces deux anomalies associées. Donc, intérêt de la question, comme vous le savez, c'est un problème majeur de santé publique, vu ses conséquences humaines et économiques lourdes. Donc, l'OMS dit que l'épidémie elle est en expansion significative depuis les années 80. Donc, il y avait 30 millions en 1985 d'adultes qui étaient atteints de diabète. En 1995, il y avait 135 millions, 173 millions en 2002. Et puis, les projections prévoient qu'en 2030, on aura presque un demi-milliard d'individus qui seront atteints du diabète, dont deux tiers dans les pays en voie de développement. Donc, on est très bien concerné par cette pandémie du diabète. Donc, pour le diagnostic positif, il faut d'abord parler du diagnostic du diabète, qui est défini d'abord la glycorégulation normale selon l'American Diabetes Association en 2020. Il définit la glycorégulation normale par une glycémie à jeun inférieure à 1 gramme par litre. Donc, c'est ça la glycémie à jeun qui est normale. Ce n'est plus le 1,10 g qui est normal, mais là, c'est 1 g qui est normal. Donc, dès qu'on est supérieur à 1 g, donc, il y a un problème. Donc, la glycémie, soit on a deux choses, la glycémie à jeun inférieure à 1 g, ou bien si on réalise une ingestion de 75 g de glucose, qui est la GPO, on aura une glycémie à 2 heures qui doit être inférieure à 1,40 g par litre. Donc, ça, c'est la glycorégulation normale, dans un sujet normal qui n'est pas diabétique. Maintenant, le diabète sucré, c'est défini par quoi? Il y a quatre méthodes pour définir le diabète. D'abord, on a la glycémie à jeun qui est la plus utilisée dans le monde. Si on a une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g par litre avec des signes cliniques, donc ça confirme le diabète. Soit une glycémie à n'importe quel moment de la journée avec des signes cliniques qui est essentiellement le syndrome polyuropolydipsique. Si on a une glycémie à jeun qui est supérieure ou égale à 2 g par litre dans la journée, donc on est diabétique. Maintenant, l'ADA, qui est l'association des diabètes américains, définit le diabète par l'hémoglobine glycée. Et il utilise surtout l'hémoglobine glycée, qui, dès qu'on est supérieur ou égal à 6,5%, donc on est diabétique selon l'ADA. Maintenant, soit aussi, on a un quatrième moyen de diagnostic du diabète, qui est la glycémie 2 heures après une charge de glucose de 75 g par 75 g de glucose. Donc, si on est supérieur à ou égal à 2 g par litre après 2 heures d'AGPO, donc on est diabétique. Donc, il y a quatre moyens, en fait, pour définir le diabète. Ce qui est utilisé chez nous,
c'est la glycémie à jeun. Dès qu'elle est supérieure à 1,26 g par litre, donc avec des signes cliniques ou bien répétés après quelques semaines, donc ça confirme le diabète. L'ADA, les Américains utilisent plus l'hémoglobine glycée pour confirmer le diabète. Maintenant, il y a une notion de pré-diabète qui est largement utilisée actuellement. Donc, si la glycémie elle est comprise entre 1 et 1,25 g par litre, ou bien une hémoglobine glycée entre 5,7 ou 6,4% d'hémoglobine glycée, donc ça constitue des pré-diabètes. Donc, le sujet il est prédisposé à faire son diabète s'il ne prend pas attention, s'il ne respecte pas les préventions. Donc, maintenant, on a parlé du diagnostic du diabète. Excusez-moi. Donc, maintenant, il faut un mot sur la classification du diabète cyclé. Donc, il y a combien de types de diabète? En réalité, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de gens confondent et disent qu'il y a deux types de diabète. Parce qu'avant, le diabète était classé selon le type de traitement. Avant, on disait diabète insulino-dépendant et diabète non insulino-dépendant. Donc, on a toujours cette idée qu'il existe deux types de diabète. En réalité, il existe, pour le moment, quatre types de diabète selon l'ADA et l'OMS, la dernière classification. En fait, il existe le diabète de type 1 qui est auto-immun, qui est dit à la destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans par un processus auto-immun. Donc, il y a une destruction qui peut être progressive ou rapide. Et quand la destruction elle atteint 90% des cellules bêta, donc le patient déclare son diabète. Il y a le diabète de type 2 qui est le plus répandu, le plus fréquent. Il constitue 90% du diabète. Et puis souvent, il est associé à des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment un syndrome métabolique, c'est-à-dire l'HTA, l'obésité, la sédentarité, l'obésité, le surpoids, des dyslipidémies, syndrome métabolique que vous connaissez, et aussi une résistance. Donc, c'est ça le diabète de type 2 qui est largement répandu. Il est de loin le plus fréquent, constitue 90% des diabètes. Maintenant, il existe des diabètes dits spécifiques. On a les diabètes monogéniques qui sont dits à des mutations génétiques diverses. Donc, on a les plus fréquents, c'est les maudits. Il existe plusieurs types de maudits. Il existe 6 types de maudits, mais à chaque fois, on découvre des nouvelles mutations et le nombre de maudits augmente. Maintenant, c'est des mutations génétiques au niveau soit de la glycolyse, ou bien au niveau des mitochondries, ou bien au niveau de l'insuline, ou bien du gène de l'insuline, qui vont constituer de l'étiologie de ce type de diabète. Il existe souvent une hérédité diabétique très fréquente qui touche les trois générations, c'est-à-dire le sujet, son père ou sa mère, sa grand-mère ou son grand-père, ils sont atteints du diabète. Donc, il y a trois générations. Et puis, parfois, on le confond même avec les diabètes de type 1 parce que le sujet, il est maigre, il est jeune et il est atteint du diabète. Donc, on les confond parfois et on les considère en tant que diabétique type 1. Maintenant, il y a d'autres types de diabète, soit les diabètes pancréatiques, secondaires à une endocrinopathie, soit pancréatectomie ou bien des pancréatopathies ou bien même des cancers du pancréas qui vont entraîner le diabète. Maintenant, il y a des diabètes secondaires à des endocrinopathies, c'est-à-dire l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire les maladies de Cushing, phéocromocytome, l'hyperthyroïdie, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'endocrinopathies qui entraînent des diabètes qui sont secondaires à cette endocrinopathie. Maintenant, il y a des médicaments aussi qui entraînent le diabète, notamment les corticoïdes et les immunosuppresseurs et quelques médicaments qui vont être à l'origine du diabète. Il y a des formes rares aussi, qui sont des diabètes spécifiques, dits à des mutations vraiment, vraiment rares. Maintenant, il existe le quatrième type de diabète, c'est le diabète gestationnel, qui est une entité à part, qui est caractérisée par une intolérance au glucose qui survient et qui est diagnostiquée pendant la grossesse. Donc, la femme n'avait pas de diabète avant, et d'habitude, ça disparaît après la grossesse. Maintenant, il faut faire attention parce que les dernières classifications du diabète disent qu'il y a d'autres types de diabète qui ne sont pas encore classés. Donc, dans la dernière classification publiée par l'OMS en juin 2019, ils disent qu'en fait, il existe encore plus de types de diabète. Il y a des formes hybrides, dont le diabète LADA, qui est juste un diabète type 1 à installation progressive. Donc, ça apparaît parfois, c'est un type 1, mais ça apparaît vraiment à déjà des âges très avancés, parfois à l'âge de 60 ans, 70 ans. Il y a une auto-immunité, les anticorps sont positifs et le sujet est considéré en tant que diabétique type 1, mais en fait, la progression juste était très lente. Maintenant, il y a le type 2 avec tendance à la cétose, anciennement appelé type africain. Donc, ce type de diabète, on le nommait avant diabétique type 1 non auto-immun ou bien diabétique type 1 idiopathique.
Parfois, on le nomme diabète africain, parfois, on le nomme diabète type 1B. Et en réalité, les dernières classifications disent que ce type de diabète, il est appelé diabète de type 2 avec tendance à la cétose. Donc, c'est des patients qui font des cétoses récidivantes. Parfois, on les met sous insuline et puis on est obligé d'arrêter l'insuline et ils ont des périodes de rémission complète de leur diabète. Ils passent des années et puis ils font leur cétose. Donc, ça s'observe surtout chez les sujets africains et même les sujets japonais. Il y a aussi d'autres diabètes qui ne sont pas classés. Donc, parlons de notre sujet ce soir qui est la cétoacidose diabétique. Donc, en fait, c'est la complication hyperglycémique aiguë la plus fréquente du diabète, principalement de type 1, mais aussi de type 2. En réalité, la cétoacidose diabétique constitue une forme, ça s'observe dans 30% des diabétiques type 1 inaugural. Donc, 30% des cétoacidoses diabétiques, en fait, c'est des modes révélatrices du diabète de type 1, mais ça constitue aussi une complication de diabète de type 2. Donc, ça résulte en quoi? En fait, ça résulte d'une carence insulinique. Donc, on retient bien cette notion, la carence insulinique, qui sera à l'origine de beaucoup de phénomènes qu'on observe pendant la cétoacidose diabétique. Donc, la carence insulinique, elle peut être absolue ou relative. Absolue, comme on avait dit devant un diabète type inaugural, c'est-à-dire le sujet, il a perdu 90% des cellules bêta des islets de Langerhans et il déclare son diabète. Donc, il rentre dans le diabète, ça constitue environ 30% de DCA. Maintenant, soit on est devant un diabétique connu qui est sous insuline et puis il arrête volontairement ou accidentellement son insuline. Soit cette carence insulinique elle est relative, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation non compensée par des besoins insulinique, soit devant des infections, surtout les infections qui constituent une étiologie très fréquente jusqu'à 50% des DCA. Maintenant, soit devant un stress d'une chirurgie ou bien un stress d'un traumatisme, AVC ou infarctus de myocarde, ou des médicaments, surtout les corticoïdes, les bêta-mimétiques ou bien des désordres endocriniens. Donc faites attention, quand vous donnez des corticoïdes à des patients diabétiques, vérifiez leur équilibre glycémique et si besoin, donnez périodiquement ou temporairement de l'insuline pour vaincre cette hyperglycémie et cette insulinorésistance qui sera provoquée par les corticoïdes. Donc la CDA elle est fréquente dans notre contexte. Le pronostic il est sévère avec mise en jeu de pronostic vital en absence de prise en charge précoce et adéquate, d'où l'intérêt de l'éducation des diabétiques avant de la prévenir. Donc la prévention elle est primordiale dans la prise en charge de tout patient diabétique. Donc, un peu de la physiologie. Donc, comme on avait dit, la carence insulinique constitue la pierre angulaire de la physiologie de cette DCA. Et il y a aussi l'augmentation des hormones de contre-régulation. Ces deux phénomènes sont à l'origine des anomalies observées. On a trois types d'anomalies. On a des anomalies du métabolisme glucidique, des anomalies du métabolisme lipidique et des cétones, et des anomalies des pertes de l'eau et des électrolytes. Donc, premièrement, il y a l'hyperglycémie. On aura une hyperglycémie qui est très importante. Elle est dit essentiellement parce qu'il y a une souffrance de l'organisme devant cette carence insulinique. Donc, le glucose ne rentre plus dans les cellules parce qu'en fait, l'insuline, il constitue la clé pour que cette glucose dans le sang puisse rentrer dans les cellules. Maintenant, quand on est devant une carence insulinique, donc le glucose va rester dans le sang, il ne va pas rentrer dans les cellules. Donc, la cellule va souffrir et puis l'organisme va réagir pour chercher des glucoses ou d'autres sources d'énergie. Vous savez que le glucose constitue la source principale d'énergie pour l'organisme. Maintenant, cette hyperglycémie importante, elle est due à quoi? Elle est due à trois phénomènes. On a une augmentation de la glycogénolyse. Okay? Donc, on a une augmentation de la néoglycogénèse hépatique, qui est la fabrication des glucoses par des substrats non glucidiques, donc par les protéines, par les lipides et d'autres substrats. Maintenant, cette hyperglycémie importante, elle sera à l'origine d'une glycosurie. Vous savez que quand on dépasse les seuils rénal de glucose, le glucose va être excrété par les reins. Donc ça crée une diurèse osmotique. Donc on a une perte de glucose dans les urines et aussi d'autres électrolytes, hein, ce qui crée la diurèse osmotique qui est augmentée. Et c'est ça qui va entraîner une déshydratation. Maintenant, on a des anomalies du métabolisme lipidique et des cétones. C'est ça qui est à l'origine des corps cétoniques. En fait, comme on avait dit, quand il y a une carence insulinique, l'organisme, ça va entraîner une lipolyse et une protéolyse. Vous savez que l'insuline, c'est une hormone qui est anabolisante, donc ça favorise la lipogénèse, ça favorise
la protéogenèse. Maintenant, en absence d'insuline, on aura une augmentation de la protéolyse qui va entraîner une augmentation des substrats pour la néoglycogénèse, mais aussi on aura une augmentation de la lipolyse. C'est ça qui explique en fait l'amaigrissement observé chez les patients diabétiques, surtout type 1. Et donc, on aura une production de grandes quantités de glycérol et d'acides gras. Vous savez, quand on dégrade des triglycérides, qu'est-ce qu'on aura comme produit? On aura le glycérol qui sera utilisé dans la néoglycogénèse pour produire de l'énergie, mais aussi on aura l'acide gras qui sera oxydé dans le foie en acétyl-CoA. Et cet acétyl-CoA, sous l'action des glycagons, il sera métabolisé dans une voie qui va produire les corps cétoniques. En fait, l'acétyl-CoA, quand il est produit par la dégradation des acides gras, il a plusieurs voies. Maintenant, vu l'augmentation des hormones de contre-régulation et principalement les glycagons, il va favoriser le passage de cet acétyl-CoA dans la voie des corps cétoniques. Donc, on aura production des corps cétoniques qui sont au nombre de 3. Il faut connaître les 3 types d'acétone. En fait, on a l'acide bêta-hydroxybutyrique qui est majoritaire, qui constitue la principale type de corps cétonique. On a l'acide acétoacétique. Et l'acide acétoacétique, c'est lui qui sera oxydé et transformé en acétone qui donne l'odeur caractéristique de l'haleine chez les patients diabétiques type 1. Donc, c'est ça qui entraîne la production des corps cétoniques. Maintenant, troisième anomalie, c'est une anomalie du métabolisme de l'eau et des électrolytes. On avait dit qu'il y aura une augmentation de la diurèse osmotique qui est secondaire à l'hyperglycémie, mais aussi à l'augmentation de la cétonémie. Donc, cette diurèse osmotique est responsable de perte de plusieurs électrolytes. Vous savez que l'organisme, il a toujours la règle que vous connaissez tous, qu'il faut qu'il y ait toujours un équilibre entre les milieux intracellulaires et les milieux extracellulaires. Maintenant, devant l'hyperglycémie et l'augmentation de la cétonémie, le milieu extracellulaire, il sera hypertonique par rapport au milieu intracellulaire. Et donc, il y aura passage des électrolytes, des minéraux et des substances vers le milieu extracellulaire. C'est ça qui va entraîner la perte de plusieurs types d'électrolytes et minéraux, dont principalement le potassium, le sodium, le chlore, le calcium, le magnésium, le phosphore. Et ce phénomène, il est aggravé par les vomissements qui va aggraver cette perte d'électrolytes. Donc, progressivement, le pôle potassique global s'évite, comme on avait dit devant cette acidose et devant l'absence de l'insuline, parce que l'insuline, vous le savez, c'est lui qui fait rentrer le potassium dans la cellule. Donc, lui, il augmente et il diminue la kaliémie. Donc, devant cette carence insulinique, le potassium il va passer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Ça, il est favorisé par la carence insulinique, mais aussi il est favorisé par l'acidose. La kaliémie, vous savez très bien, c'est le dosage du potassium en extracellulaire. Il sera souvent normal parce qu'en fait, il y avait passage de la kaliémie qui existe sous forme intracellulaire, va passer vers le milieu extracellulaire. On aura une kaliémie peut-être normale, mais en réalité, le pôle potassique global, il est diminué. Donc, en résumé, c'est ça, on a la carence insulinique et l'augmentation des hormones de contre-régulation qui est au centre de cette physiologie. Et donc, on aura une diminution de la pénétration cellulaire du glucose. Ça va être à l'origine d'une augmentation de la protéolyse qui va entraîner la production de glycérol et d'autres métabolites qui vont rentrer dans la néoglycogénèse hépatique. Et puis, on aura aussi une augmentation de la glycogénolyse et la dégradation du glycogène réservé dans le foie et dans le tissu adipeux, il sera dégradé pour produire du glucose. Et donc, on aura une hyperglycémie qui sera à l'origine d'une glycosurie, plus une augmentation de la diurèse osmotique qui va être à l'origine d'une déshydratation qui va entraîner l'acidose. Et aussi, les deux phénomènes cliniques, hormones de contre-régulation, vont entraîner la protéolyse, mais aussi la lipolyse qui sera à l'origine de l'augmentation des acides gras qui vont rentrer dans la voie de la cétogénèse, et donc on aura augmentation de la cétonémie. Et comme vous le savez, les corps cétoniques sont des acides forts. Donc, cette acidité va entraîner une augmentation de l'acidose. Donc, c'est des acides forts. En résumé aussi, la physiopathologie de la cétoacidose diabétique. Donc, maintenant, on va parler un peu de la circonstance de découverte de cette CDA. En fait, il y a des signes cliniques évocateurs. Soit on est devant une cétose simple, il y a des prodromes que vous devez
tous connaître, que le patient aussi est censé détecter et gérer pour éviter le passage en DCA. Donc, il y a le syndrome cardinal polyurie, polydipsie, polyphagie, amaigrissement, qui évolue d'habitude depuis quelques jours à quelques semaines, mais pour les diabétiques type 1, d'habitude, l'installation est brutale. Donc, on aura aussi une altération de l'état général, une asthénie, anorexie, des troubles visuels, des flous visuels d'habitude rapportés par les patients. Il y a aussi des troubles digestifs, nausées, vomissements, douleurs abdominales, pouvant simuler une simple gastro-entérite et erroner le patient, pour ne pas dire le médecin. Donc, ceci sont caractéristiques de la cétose simple chez le patient diabétique. Il doit les connaître, on doit l'éduquer pour connaître ces signes pour qu'il ne passe pas en DCA. Maintenant, la cétose simple peut passer en cétoacidose. Maintenant, l'installation peut être progressive, sauf pour les enfants, comme on avait dit, la femme enceinte et le sujet âgé. Maintenant, dans la cétoacidose, il y a une accentuation des symptômes précités, c'est-à-dire le syndrome cardinal et les autres signes digestifs. On a une déshydratation globale, clinique, avec hypotension artérielle, mais aussi une déshydratation qui est intracellulaire et extracellulaire. Il y a aussi l'hypothermie qu'on peut observer pendant la cétoacidose, mais ne doit jamais éliminer un processus infectieux. Donc, quand un patient vous le trouvez avec hypothermie, il ne faut pas éliminer un processus infectieux. Donc, il y aura une polypnée superficielle due à la compensation respiratoire de l'acidose. Donc, il sera en hypercapnie. Métabolique, parfois véritable dyspnée de Kussmaul en 4 temps. Donc le patient fait une respiration caractéristique, d'habitude appelée la dyspnée de Kussmaul qui est en 4 temps. Maintenant, toujours dans les circonstances de découverte, on a l'odeur acétonique de l'allèle. Il faut avoir l'habitude de sentir l'odeur de l'allèle chez les patients atteints d'une cétoacidose parce que vraiment c'est une odeur caractéristique, c'est comme du à pomme pourrie, comme on dit en vieille sémiologie, mais c'est vraiment une odeur qui est caractéristique et due à l'élimination respiratoire de l'acétone. Donc, on peut avoir des troubles de la conscience d'intensité variable, allant de stupeur jusqu'au coma. Le coma, il est d'habitude calme, profond, sans signe de localisation neurologique, sans signe de Babinski. On a aussi des troubles digestifs, comme on avait dit au début, mais là, vraiment, il y a des douleurs abdominales, il y a des vomissements, parfois diarrhées, pouvant égarer le diagnostic et erroner le médecin, orienté vers une urgence abdominale alors qu'on est devant une cétoacidose diabétique. Et ces troubles digestifs vont aggraver la déshydratation. On a aussi des douleurs musculaires, voire crampes liées à l'acidose métabolique. Donc, soit, comme on avait dit, les circonstances de découverte, c'est soit une cétose simple, soit une cétoacidose diabétique, soit on est devant une pathologie intercurrente, c'est-à-dire un IDM, un AVC, une infection. Et on découvre la DCA chez le patient diabétique. Donc, soit, comme on avait dit, soit une symptomatologie typique, comme on avait dit, mais aussi elle peut être découverte lors des tests d'autocontrôle. Donc, parfois, les patients font des autocontrôles, ils trouvent une glycémie supérieure à 2,5 grammes par litre, et puis avec des corps cétoniques supérieurs à 2 croix ou plus. Donc, la démarche diagnostique, donc, pour poser le diagnostic positif, une cétoacidose diabétique, elle est simple. Donc, on a une triade biologique. Maintenant, on sait qu'on n'a pas tous les moyens pour faire ce diagnostic, mais dans notre contexte, il y a 2 critères qui sont simples pour poser le diagnostic. Donc, théoriquement, la DCA, elle est confirmée par une hyperglycémie veineuse supérieure ou égale à 2,5 grammes par litre, avec une cétonémie capillaire élevée, c'est-à-dire supérieure à 0,5 millimoles par litre, et une acidose métabolique à trop anionique élevée, c'est-à-dire des réserves alcalines inférieures à 18 millimoles par litre ou un pH inférieur à 7,3 et un taux anionique qui est calculé par une natrémie moins la somme de chlore plus de bicarbonate qui est supérieure à 12 milliéquivalents par litre. Donc, comme vous le voyez dans la relation, dès qu'on a une diminution de bicarbonate, le taux anionique il va être élevé et donc ça oriente vers une acidose métabolique. Dans notre contexte, on sait qu'on n'a pas tous les moyens pour faire une gazométrie, une cétonémie, mais le diagnostic, il est simple, c'est-à-dire une cétonémie et pH ne sont pas disponibles dans le pays. Et donc, on fait juste. Donc, je pense qu'il y a un problème de connexion. Donc, dans notre contexte, il faut juste faire Docteur Haddou, une صوت glycémie qui مسموع. sera supérieure à 2. الصوت مسموع ما في اي مشكلة، vous pouvez continuer.
صوت مسموع. اوكي افيشالي ان اوكي. دونك بروبوزي لي دياغنوستيك اوز اورجانس سي ان غليسيمي سوبيريور ا 2.5 غرام بار لتر افيك غليكوزيري اي اسيتونيري سوبيريور ا 2 كروا. سي تو سيمبلمون سا il faut le poser diagnostic rapidement et agir. Donc, pour, toujours dans le bilan paraclinique, il faut faire une évaluation hydroélectrolytique parce qu'en fait, cette évaluation va orienter le schéma thérapeutique. Il faut obligatoirement avoir un ionogramme, irécréa, une numération. Donc, on ne peut pas prendre correctement une DCA sans avoir un ionogramme. Ça, vraiment, je voulais dire franchement. Donc, pour nos collègues médecins qui travaillent dans, à l'intérieur, qui travaillent dans... Dans des centres qui ne se disposent pas de diagramme. Donc, vraiment, vous aurez des problèmes pour gérer correctement une DCA. On ne peut pas gérer une DCA correctement sans avoir un ionogramme, parce que c'est la kaliémie qui va orienter le schéma thérapeutique après. Donc, on va parler de la prise en charge thérapeutique après. Donc, l'animation d'habitude, on a une hyperleucocytose à PNN, d'interprétation d'habitude très difficile, parce qu'en fait, on peut ne pas avoir une infection et avoir les blancs qui sont élevés. Ça peut être en rapport avec une démarginisation des globules blancs secondaires à l'acidose ou à l'infection. Donc, la DCA, dernièrement, dans les dernières recommandations anglo-saxonnes, on classe la DCA en trois catégories. Soit on a une DCA minime, donc la glycémie est supérieure à 2,5, le pH il est entre 7,5 et 7,3, donc on est toujours au-dessus de 7. Le bicarbonate, c'est-à-dire HCO3-, il est entre 15 et 18. Bien sûr, on a une cétonurie qui est positive et un trop anionique qui est supérieur à 10, mais inférieur à 12. État de conscience alerte. Donc, le patient il est toujours conscient. Donc, ça, c'est une DCA minime. Maintenant, modéré, c'est le pH. Il est entre 7 et 7,24. Donc, on a un pH qui est un peu plus bas. Et les bicarbonates sont inférieurs à entre 10 et 14. Maintenant, pour la forme sévère, il est inférieur à 10. Et toujours, la cétonurie elle est positive et le trop anionique. Dès qu'elle est supérieure à 12, donc on est soit en modéré ou sévère. Donc, je sais que c'est un peu compliqué comme bilan dans notre contexte, mais il faut quand même savoir qu'il existe trois types de DCA classés selon le pH, les bicarbonates et les trop-anioniques. Maintenant, il y a un diagnostic de gravité. Donc, dès que vous avez ces facteurs de gravité, vous êtes devant une DCA qui est grave, qui doit être pris en charge précocement et voire même transféré en réanimation. Donc, dès qu'on est devant un enfant ou un sujet âgé ou une femme enceinte, dès qu'il y a tard associé, c'est-à-dire que ça aggrave c'est tard associé par la gravité de la pathologie déclenchante, donc dès que vous êtes devant un sepsis ou un IDM ou un AVC, donc c'est en forme grave de la DCA. Il faut savoir que pendant la surveillance que vous allez faire, qu'il y a des signes de gravité annonçant une évolution fatale en absence de prise en charge adéquate et précoce en usine. Donc, dès que vous avez des troubles de la conscience ou coma profond, un coma qui est calme, dès que vous avez une défaillance multiviscérale, c'est-à-dire cardiovasculaire, en collapsis, en état de choc, ou une défaillance respiratoire, rénale, vous savez que l'acidose, et ses complications, en fait, c'est les défaillances cardiovasculaire, respiratoire, rénale ou hépatique, elle entraîne. C'est ça qui entraîne la gravité de l'acidose. Donc, dès que vous avez une hypothermie inférieure à 35 degrés, dès que vous avez une acidose majeure, c'est-à-dire un pH inférieur à 7, ou plus facilement, dès que vous avez des réserves alcalines inférieures à 10, quand vous avez une hyperosmolarité associée, en fait, l'hyperosmolarité peut être calculée. Il y a des applications qui nous permettent de calculer l'hyperosmolarité à partir de la glycémie et la natrémie. Et bon, il y a des applications qu'il faut télécharger. Dès que vous avez une hyperosmolarité aussi, ça constitue un signe de gravité. Dès que vous avez une kaliémie initiale inférieure à 4 milliéquivalents par litre, ça aussi constitue un facteur de gravité. Donc, maintenant, pour la démarche étiologique, donc, comme tout patient, il doit bénéficier d'une démarche étiologique pour chercher l'étiologie de cette DCA. Il faut commencer par l'interrogatoire, chercher les antécédents du diabète. Est-ce que c'est un diabète, le sujet, est-ce qu'il est un diabétique connu? Est-ce qu'on est devant une DCA inaugurale? S'il est diabétique, est-ce qu'il prend un traitement? Est-ce qu'il prend des comprimés, de l'insuline? Est-ce qu'il les prend correctement? Est-ce qu'il est éduqué? Est-ce qu'il a arrêté son traitement de lui-même? Et surtout, les adolescents et les enfants
qui sont d'habitude très mal observants de leur traitement. Chercher des pathologies sous-jacentes aiguës ou chroniques, c'est-à-dire chercher une insuffisance cardiaque, une infection, un paludisme ou des trucs qui peuvent entraîner la DCA. Donc, chercher aussi la notion de prise médicamenteuse, corticoïdes, bêta-mimétiques. Il faut faire une anamnèse infectieuse, demander au patient est-ce qu'il tousse, est-ce qu'il a la fièvre, est-ce qu'il y a des brûlures mixtionnelles, parce que les deux infections principales qui compliquent la DCA sont les infections pulmonaires et urinaires. Donc, cherchez toujours cette notion de brûlure mixtionnelle, de toux avec expectoration. Cherchez aussi s'il y a une grossesse, faire le test de grossesse chez les femmes en âge de procréation. Excusez-moi. Je suis un peu bloqué. OK. Donc, l'examen clinique aussi, il faut examiner correctement le patient, faire un examen clinique complet, orienté par les signes fonctionnels rapportés par le patient. Donc, rechercher un foyer infectieux, surtout urinaire, respiratoire, cutané, oral, gynéco. Examen de tous les appareils. Donc, il faut examiner bien le malade et chercher des points d'entrée infectieuse. Donc, il y a des examens paracliniques aussi à faire en fonction, vraiment, c'est en fonction des signes cliniques et des signes rapportés par le patient. On ne va pas faire tout ça, mais juste pour un rappel, il faut faire une bactériologie avant de démarrer une antibiothérapie, faire un SBI. Mais surtout, il ne faut pas oublier que certaines bandelettes urinaires, ils sont capables de vous donner les leucocytes, les nitrites, qui sont, dès que vous avez des leucocytes qui sont positifs et des nitrites qui sont positifs, donc vous êtes orienté vers une infection urinaire. Et donc, ça va vous aider pour faire un SBI. Donc, biologie aussi, quand vous êtes devant un patient âgé, cardiaque, il faut faire les enzymes cardiaques, surtout les enzymes cardiaques, parce qu'en fait, les patients diabétiques qui sont atteints des pathologies cardiaques, ils ne font pas de douleur. Ça fait partie de la neuropathie, et ils ne font pas de douleur, et du coup, ils peuvent faire des IDM indolores. Je pense que je dois amener mon chargeur. Donc, au bout de l'enquête étiologique, dans 30% des cas, la DCA elle est révélatrice du diabète. Une étiologie infectieuse est retrouvée, une étiologie infectieuse est retrouvée dans 30 à 50% des cas, surtout urinaire et pulmonaire. Dans 2 à 10% des cas, aucune étiologie n'est retrouvée. Donc, je pense que je dois mettre mon ordinateur dans le chargeur. Excusez-moi une Ok, minute. docteur Hadou, pas de problème. دير شارجر نختار ذكر الجماعة كاملين عندنا سير الجروب دي ستاف ميديسان موريتانيا ان كونديت اتينير دوفان دي اس سي افيك دكتور حدو عبد الودود اندوكرينولوج نختار ننبه الجميع على الوقت ما تلم انه ما هو 6 دقائق ولا 7 طبعا اختاروا هي تخطى ان شاء الله بريزون شارج رايك جات لا بريزون شارج ثيرابيتيك فوالا وراها مباشرة اللي فتحوا الأسئلة لأنتم ركضوا سؤال من لا ديسكسيون هون وسؤال عبارة عن إن انترفانسيون وسؤال من جروب ستاف سير واتساب طبعا فوالا اون فا كونتينيي افيك دكتور حدو فوالا تفضلوا Donc, on va parler de la prise en charge thérapeutique, qui est le principal de cette présentation. Il faut savoir qu'il s'agit d'une urgence médicale. Il ne faut pas banaliser la DCA. Donc, le traitement repose sur une réanimation hydroélectrolytique et l'insulinothérapie. Le but du traitement, c'est bien sûr d'abord restauration de l'hémodynamique, correction de l'hyperglycémie, la cétonémie et l'acidose métabolique, correction des troubles hydroélectrolytiques et traitement de l'étiologie. Donc, c'est ça les 4 objectifs de la prise en charge. Donc, la conduite du traitement, il faut commencer par une réanimation hydroélectrolytique. Il ne faut pas se précipiter à donner de l'insuline. Il y a même des études qui disent que le fait de donner de l'insuline rapidement dans la DCA, ça peut aggraver le collapse cardiovasculaire. Donc, il faut commencer d'abord par une réhydratation avec un remplissage vasculaire. Donc, la question qui se pose, je mets quoi? Quelle solution? Donc, de préférence, il faut mettre les solutés sérum salé isotonique 0,9%, qui est la solution de choix
si la glycémie, tant que la glycémie elle est supérieure à 2,5 grammes par litre. Maintenant, dès que la glycémie baisse en dessous de 2 à 2,5 grammes par litre, passez au sérum glycosé 5%, mais avec 4 à 5 grammes de NaCl si on met de G5. Donc, n'oubliez pas les NaCl quand vous passez au G5% parce qu'il y a toujours cette hyponatrémie, comme on avait dit, qui est due à une perte, à la diurèse osmotique et à la perte des électrolytes. Donc, à quel débit? Donc, à quel débit on va faire cette réhydratation? L'objectif, en fait, c'est de donner 6 litres par 24 heures, dont la moitié a passé pendant les 6 premières heures. On fait comment? La règle que vous connaissez tous, 1 litre sur 1 heure, puis 1 litre sur 2 heures, puis 1 litre sur 3 heures, puis 1 litre chaque 6 heures. Donc, de cette façon, on va donner déjà 3 litres pendant les 6 premières heures. Donc, rien que par correction de la déshydratation, vous baissez la glycémie, vous diminuez l'acidose et vous diminuez la cétonémie. Rien que par la réhydratation, donc il ne faut pas la banaliser. Il faut toujours commencer par une bonne réhydratation, mettre 1 litre la première heure et puis après, vous pouvez commencer tranquillement votre sinothérapie. Mais n'oubliez pas de faire un ionogramme avant. Donc, le débit de la réhydratation, bien sûr, doit être adapté à l'âge, la fonction cardiaque et rénale, ainsi qu'à la tolérance hémodynamique du patient. Un patient qui a une insuffisance rénale ou un patient qui a une insuffisance cardiaque, il ne faut pas réhydrater beaucoup, sinon vous allez créer une surcharge et peut-être même entraîner un OAP ou une autre complication. Ça sera aussi de la diurèse. Donc, toujours dans les solutés, la grande question qui se pose toujours, est-ce qu'on donne les bicarbonates? En fait, logiquement, on est devant une acidose. Donc, la première idée que je dois faire, c'est donner des bicarbonates pour alcaliniser. Mais en fait, avant, on pensait à ça. On pensait que beaucoup de complications de la DCA sont dues à l'acidose. Donc, on mettait toujours des bicarbonates. Mais en fait, les dernières études montrent qu'il n'y a pas de bénéfice pour donner des bicarbonates quand on a un pH inférieur à 7. Donc, si vous avez des bicarbonates, il ne faut pas les donner parce qu'en fait, on n'a pas la gazométrie pour doser la pH. Et les bicarbonates, quand ils sont donnés, ils ont des risques. En fait, ça peut entraîner une hypokaliémie et aggraver l'hypokaliémie qui peut être déjà on a l'insuline comme facteur de risque. Et ça peut aussi entraîner une acidose intracellulaire paradoxale. Et ça peut entraîner aussi une alcalose tardive. Donc vraiment, les bicarbonates doivent être donnés juste en réanimation. Et quand on est vraiment devant une cétoacidose sévère, soit on a des bicarbonates réserve alcaline inférieure à 10, ou bien on a un pH inférieur à 7. Néanmoins, comme on avait dit, si acidose sévère avec pH inférieur à 5,9 ou réserve alcaline inférieure à 10, on peut donner des bicarbonates à raison de 250 ml en une demi-heure associée à 500 ml de sérum salé, 0,9% avec perfusion de 1 litre maximum. Donc, il ne faut pas dépasser 1 litre de bicarbonate parce que ça peut entraîner beaucoup de complications. Donc, aussi comme solité, les solités macromoléculaires sont données devant un choc hypovolémique avec un état de choc. Le Ringer lactate à éviter. Maintenant, pour ce qui est de la supplémentation potassique, comme on avait dit, l'insuline, parmi ces complications, l'insuline, surtout en intraveineuse, ça peut entraîner une hypokaliémie. Et l'hypokaliémie peut être mortelle. Donc, il ne faut pas banaliser l'ionogramme. Il faut le prendre et connaître votre kaliémie initiale avant de commencer l'insulinothérapie. En fait, on est devant trois situations. Soit on a une kaliémie initiale qui est supérieure ou égale à 5 mmol par litre. Maintenant, dans ce cas, il n'y a pas de substitution durant les deux premières heures. On a apporté à partir du troisième litre d'hydratation. Donc, pendant deux heures, les deux premiers litres, on ne met pas de potassium. Si on a une kaliémie initiale qui est supérieure ou égale à 5 mmol. Maintenant, si on a une kaliémie qui est entre 3,3 et 5 mmol par litre, on commence la supplémentation immédiatement. Donc, dès le premier litre, on met 1,5 à 2 g de KCl par litre. Donc, d'habitude, nous, on utilise les flacons de 500 ml. Dans ce cas, on met 1 g. C'est-à-dire qu'on met dans chaque 500 cc, on met 1 g de KCl et 2 g de NaCl. Si c'est le G5. Mais il ne faut pas dépasser 2 grammes par heure, parce que ça aussi peut entraîner des dégâts au niveau cardiaque. Il faut contrôler la kaliémie à 4 heures après le début du traitement. L'objectif, c'est d'avoir toujours une kaliémie aux alentours de 4 à 5 mmol par litre pour être tranquille. Donc, encore une fois, il ne faut pas banaliser la kaliémie
avant de commencer votre insulinothérapie. Maintenant, si on a une kaliémie inférieure ou égale inférieure à 3,3 mmol par litre, on ne donne pas de l'insuline, on commence une charge de 3 grammes par heure à la pour seringue électrique, c'est une voie veineuse centrale en milieu de réanimation et on retarde l'insulinothérapie jusqu'à ce que la kaliémie soit supérieure à 3,3 mmol par litre. Donc, dès qu'on a une kaliémie inférieure à 3,3 par litre, il ne faut pas donner de l'insuline. Il faut corriger d'abord cette kaliémie avant de passer à l'insuline. Il faut s'assurer avant la supplémentation potassique de maintien de la diurèse et il faut faire une kaliémie. Dès que vous avez une kaliémie inférieure à 4, il faut faire une surveillance du rythme cardiaque par le scope idéalement. Maintenant, pour l'insulinothérapie, donc on commence d'abord par la voie veineuse. Idéalement, il faut avoir une pousse seringue électrique aux urgences. Donc, la dose elle est de 0,1 unité internationale par kilo par heure d'insuline rapide ou ultra rapide à augmenter si l'acidose ne régresse pas. Donc, si vous avez toujours une acidose pendant les premières heures, au lieu de donner 0,1, vous pouvez donner jusqu'à 0,14 unité internationale par kilo par heure. Donc, le bolus initial qu'on donnait avant de 0,1 à 0,4 d'insuline ordinaire par kilo, et son efficacité n'est pas démontrée. Donc, juste, il faut commencer l'insulinothérapie à la pousse seringue électrique. Il faut garder la voie intraveineuse tant que persiste l'acétonémie, qui est toujours supérieure à 2 croix. Puis, quand on a une disparition des corps cétoniques, négativation de l'acétonurie, donc on peut passer à l'insuline ordinaire en sous-cutané chaque 4 heures, tant que la glycémie capillaire est élevée, selon le schéma suivant. Donc, c'est juste un schéma, chacun a son protocole, mais d'habitude, nous, dans les services, on a l'habitude d'adopter ce protocole quand la glycémie, quand l'acétonurie devient négative. Donc, on adopte ce protocole. Mais il ne faut pas arrêter d'habitude l'insuline à la pousse seringue électrique si vous n'avez pas donné de l'insuline lente. Donc, si vous avez pendant 4 heures de temps une disparition des corps cétoniques, il faut donner une basale parce que quand vous arrêtez l'insuline à la pousse seringue électrique et vous passez 4 heures ou 6 heures avant de donner encore des bolus, il peut y avoir un rebond de la glycémie et le patient peut rentrer de nouveau dans la cétoacidose diabétique. Donc, il faut toujours avoir une couverture ou bien une insuline lente ou bien une insuline en sous-cutané. Vous le passez d'abord avant d'arrêter la pousse seringue électrique. Donc, ce schéma, il est adopté quand le patient sort de sa DCA. Donc, en l'absence de la pousse seringue électrique, donc, il faut juste donner de l'insuline ordinaire rapide 10 unités chaque 4 heures, chaque par heure, en intraveineux jusqu'à la négativation de l'acétonurie. Donc, pour ce qui est de l'anticoagulation préventive, est-ce que je donne l'héparine, l'HBPM ou je ne le donne pas? Elle est indiquée quand il existe une hyperosmolarité associée, comme on avait dit, on peut la calculer à partir des applications. Devant un sujet âgé à risque élevé de complications thromboemboliques ou bien un sujet qui a déjà fait son AVC ou bien une thrombose vasculaire, il faut donner l'HBPM à dose préventive. N'oubliez pas de chercher l'étiologie et de la traiter. À débuter après la réanimation initiale du patient, le traitement il est adapté à l'étiologie. Est-ce que vous avez une infection urinaire, pulmonaire? Il faut la traiter efficacement. Si vous avez un œdème ou une pancréatite, il faut la traiter. Donc, pour ce qui est de la surveillance du traitement chez le patient atteint d'une DCA, c'est la tension artérielle, c'est le pouls, c'est la température, c'est la fréquence respiratoire, état de conscience et diurèse. La glycémie capillaire, l'acétonurie doit être dosée par heure jusqu'à la disparition de la cétose, puis glycémie capillaire chaque 4 heures de temps, le but étant de la maintenir aux alentours de 2 grammes pendant les premières 24 heures. Donc, il ne faut pas insister à avoir des glycémies à 1 gramme ou bien 0,90. Il faut quand même garder le patient entre 1 à 2 grammes pendant les premières 24 heures. La baisse rapide de la glycémie peut être à l'origine des complications dont on va en parler par la suite. Donc, l'ECG de contrôle doit être fait. Il faut toujours avoir l'habitude de faire des ECG chez les patients atteints d'une DCA. C'est presque médico-légal dans certains pays. Il faut nécessairement faire un ECG, même si le patient n'est pas asymptomatique, ne présente pas de douleur. Faites des ECG à vos patients qui sont atteints d'une DCA. Donc, pour la surveillance biologique, il faut faire la kaliémie. Et si disponible, les réserves alcalines chaque 4 heures jusqu'à normalisation. Jusqu'à la normalisation de l'ionogramme. J'insiste encore une fois, il faut faire un ionogramme au moins 4 heures
chaque 4 heures ou bien au moins chaque 8 heures de temps, c'est-à-dire 3 fois par jour, pour toujours avoir une idée sur la kaliémie parce que ça peut entraîner des complications graves. Donc, les complications, il y a des complications qui sont liées au terrain, il y a des complications qui sont liées au traitement. Ceux qui sont liés au terrain, c'est les infections, les thromboses vasculaires, comme on avait dit, la mort fœtale in utero chez les femmes enceintes. Donc, il y a des complications qui sont liées au traitement. En fait, ce qui tue les patients de plus dans les réanimations et dans les salles d'urgence, ce sont les deux, hypoglycémie et hypokaliémie. C'est ça qui tue de plus les patients atteints d'une DCA. Donc, il faut avoir l'habitude de surveiller vos patients par des glycémies capillaires répétées et aussi par des ionogrammes répétés. Donc, l'hypoglycémie, elle est fréquente. Comment vous pouvez éviter l'hypoglycémie? C'est tout simplement donner des sérums glycosés dès que la glycémie est inférieure à 2 ou 2,5 grammes par litre. L'hypokaliémie, c'est une complication grave. Elle peut mettre en jeu le pronostic vital. Elle peut être prévenue aussi par un apport potassique régulier et stable pour maintenir la kaliémie entre 4 et 5 millimoles par litre. Donc, n'hésitez pas à faire des ionogrammes, de garder vos patients. Si vous donnez des sérums salés ou G5, toujours mettre 1 gramme de KCL dans le flacon de 500 ml et surveiller l'ionogramme. Donc, il y a une complication qui est rare, mais elle est redoutable. Elle représente 1% des complications d'une DCA, mais elle est de très mauvais pronostic, peut-être dû à une correction trop rapide de la glycémie et de la cétonémie. Donc, on avait dit qu'il ne faut pas se précipiter à corriger la glycémie. Il faut faire une bonne réhydratation. Ça va permettre automatiquement la baisse de la glycémie et faites l'insulinothérapie progressivement sans se précipiter parce que ça peut entraîner un œdème cérébral. En fait, quand on corrige rapidement la glycémie, le milieu sera plus hypotonique et donc le liquide va passer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire et donc on aura un œdème cérébral. Et c'est ça l'intérêt de la surveillance. Il faut toujours chercher des signes neurologiques. C'est-à-dire dès que vos patients commencent à avoir des troubles de la conscience, des convulsions, des mouvements anormaux, des signes neurologiques, il faut penser à cette complication qui est vraiment redoutable et le taux de décès peut aller jusqu'à 40% des cas. Donc, ça résume un peu les complications de la cétoacidose. On a parlé des complications liées au traitement, des complications évolutives et des complications liées à la grossesse. Donc, je ne peux pas terminer cette présentation sans parler de la prévention parce qu'en fait, tout patient diabétique, que ce soit type 1 ou type 2 ou autre type de diabète, doit bénéficier d'une éducation, lui montrer les signes cliniques de la cétoacidose diabétique pour qu'il sache lui-même gérer ça avant de passer au stade de la DCA. Donc, c'est la pierre angulaire de la prise en charge thérapeutique. Il faut s'adresser à tout patient diabétique, surtout le type 1. Il faut faire autosurveillance régulière. Proposer à vos patients diabétiques d'avoir un glycomètre à la maison pour qu'ils fassent des contrôles réguliers. Il faut éviter et éduquer les patients à ne pas arrêter ou modifier leur traitement. Si le patient diabétique il a des vomissements ou il y a un arrêt de l'alimentation sans signe d'infection, il faut qu'il garde la basale et il suspend la rapide le temps de consulter son médecin. Il faut augmenter les doses de traitement d'avant toute infection et la traiter précocement et efficacement. Donc, le patient doit reconnaître les signes cliniques de la cétose simple, c'est-à-dire la polyurie, polydipsie, l'asthénie, des signes digestifs actifs de douleur abdominale, nausée, anorexie, haleine caractéristique. Et il doit contrôler des suspicions de la glycémie capillaire. Donc, dès qu'il a ces signes-là, tous les patients diabétiques sont censés connaître ces signes-là pour gérer eux-mêmes au début, leur hyperglycémie pour ne pas aller jusqu'au stade de DCA. Donc, dès que la glycémie capillaire elle est supérieure à 2,5 grammes par litre, le patient doit faire une bandelette urinaire. Si la glycosurie et la cétonurie elle est positive, il doit ajouter au traitement habituel des bolus sous-cutanés de 5 à 10 unités. Ça dépend de la corpulence, ça dépend de la réponse à l'insuline. Donc, entre 5 et 10, chaque 4 heures, il doit augmenter ça au bolus qu'il prenait. Tant que la cétonurie persiste avec surveillance de la glycémie capillaire. Si après 3 ou 4 injections de la cétonurie, si la cétonurie est toujours positive, il doit s'adresser à l'hôpital le plus proche. Donc en conclusion, je pense que j'étais un peu long. Donc la DCA est une complication grave et fréquente en diabétologie. Elle peut être le mode de révélation de la maladie ou compliquée en diabète déjà connu.
La prévention reste le meilleur traitement et ne peut se concevoir qu'avec une éducation correcte qui va permettre d'éviter les récidives ultérieures ou au moins d'en diminuer l'incidence. Il faut que le patient aille en savoir et en savoir-faire. Donc, il faut éduquer les patients diabétiques. Donc, take home message. Donc, il faut poser le diagnostic facilement devant une glycémie supérieure à 2,5 avec cétoniques qui sont positifs, supérieure ou égale à 2. Commencer par une réhydratation avant l'insulinothérapie, faire rapidement un ionogramme et commencer la supplémentation en fonction de la kaliémie. Attention aux hypoglycémies et surtout aux hypokaliémies qui sont mortelles. Il faut traiter l'étiologie. Je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum. Merci. Je tiens à remercier Dr Haddou. C'est une belle présentation. Le sujet est très intéressant et parfois très compliqué. On va commencer les questions. Donc, là, il y a le docteur Ahmed Sidiya. شكراً دكتور على المحاضرة اللي كانت فعلاً شاملة وكانت أكثر من المطلوب وجزاك الله خيراً على هذا. أنا لين عود كاني ملخص شوي ذا اللي لقيت ولين سوى لكم اللي أسئلة كانت تعلق عليه أكثر. إياك نعود تركيز أساساً على أمور عملية تخلق في البلد أكثر. مثلاً خارج الناس اللي عود عندهم اللي بريغليسيمي والناس هم اللي اسيتوستوز ديابيتيك لا ده دائما يخرج في المستشفى دي شي واحد عنده جليسيمي اسينك والله اسيس اوتوماتيك ما يعتبروه اسيتوستوز ديابيتيك ويبدلوا له الشمع اللي هو وهذا اساسا الداري انه مشبروا الاسيتونيري اللي تعود عن كروا دي كروا وهذا هو الامزير اللي عندهم يكانوا يشخصوا وحد قام بكل بساطه كلمه الاسيتوستوز ديابيتيك عباره عنه عنده ثلاث عناصر لابد عنده جليسيمي اكثر كما قلنا عن مديفري جليسيمي يعود أم اللي عندك يعود عندك شين قالوا لا سيدو يعود شين قالوا اللي قالوا ل ميتابوليك أسيدوسيس ذاك اللي تثبت لا بإحدى أمرين يا يعود عندك اللي قالوا الريزيرف الكالي اللي هو البيكربونات يعود أقل من 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 18 والله أم اللي تعود هذا بي اش أقل من 7.34 طبعا البي اش ما متوفر غير بعد البيكارب انا قال عنه قد يعود امر متوفر جدا ولا عاد ما متوفر هذا لابد يعود موجود لانه هو جزء من اليونوغرام يونوغرام ما يقد يعود الا ناتريمي وكاليمي وكالوريمي هذا بيكارب جزء هم اربع عناصر اساسيين واهميتهم لانهم دائما موجودين يا كانك تحسب اللي قالوا لترو انا يونيك هو اللي لا تقبل فيه لناتريمي وتنقصها من المجموع البيكارب الكلور وهذا يلا يعود أكثر من 12 شاك يعود فعلا أنت هون عندك المعايير الأساسية اللي على أساس الشخص عن هذا أستوز ديابيتيك لأنك ليبرغليسيم واحد إن شاء الله عاد 8-9 إذا ما هو الأستوز ديابيتيك والإترات ما لا يختلف تماما قضية أخرى المهم طبعا الأعراض الدورة قدر من الإمكان قد يفرقونك بين الأمرين القضية الأساسية هم اللي في التركيز على نجرام كما قلت اللي قالوا لكلمي كلمة مهمة جدا 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 ما تقد تشوف مباشرة عاطين إنسان شيء من الإنسانين وأنت ما تعرف له كلمة هو عادة اللي بالأساس كما قلت على إنه لاهي يعالج هذا الأستوز ديابيتيك ما هو بالدرجة الأولى الإنسولين هي ذوك السوليتي اللي لا يعطي دمارات هم أكثر اللي يجبر عليه فائدة سابق يجبر فائدة على الإنسولين لأنه لو كان لا الإنسولين واحد ولي يقتل يتم يقتل الناس اللي عندهم تيب دي اللي يجوا عندهم غليسيمي ويت ويجو نف وخطاوة ديس معناه أنه بالأساس تثقيف تشخيص مهم جدا القضية الأخرى المهمة جدا في أخبار وهي اللي أنا شايفها دائما مشكلة كبيرة في موريتان هو باسم حالة يعالجوا لشين قالوا لبريغليسيمي اللي تخرج في الأستوز ديابيتيك نحن لماذا نتم دائما نعود نراقب الأسيتون في الزيرين وعلى أساسهم هم اللي نعطوا الإنسولين هذا نحن نعود معدلينه هذا أمر العاد كان يخرج في السابق أنا ما أتوقع أنه مقبول نهائيا لأنه عنده من الأخطاء ما لا يحصى لأنه قاعد أول شيء طبعا حد لا يحسب الأسيتون حد بالأساس هذا الكيتون هم عادة ثلاث أنواع اللي قالوا بيتا هيدروكسي بيوتريت واللي قالوا أسيتو أسيتيت والأسيتون أسيتو أسيتيت هو الرئيسي يتحول شور بيتا هيدروكسي بيوتريت
وهو اللي يعود الأساس الموجود في الدم. ذاك الأسيتون اللي لا يتجبر هو الكمية القليلة والضعيف اللي عادة تجبره في البول. معناه أنك أنت تعود قاعد لا تتابع لا الأسيتون واحد وأنت خارج ياسر خلقك في الدم اللي هو البيتا هيدروكسي بيترات اللي هي البانديرات اللي تعدل عادة مادة ما تكتشف ذلك، تكتشف الأسيتون وحده والله نوع منها يكتشف أسيتو أسيتيت يغير بيتا هيدروكسي بيترات اللي هو من 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 من, من الكيتون الرئيسيين ما يوجد نهائيا في البول. وكونك تتم تقبض تحسب ذاك الموجود من الكروان اللي عندك فم وتعطي عن الاساس انت تعدل امر رجعي ويقد يعود الامر للجلوكوز فات قل في الدم رجع على مستوى مقبول انت من زد تعطي شيء فات تتخطى وقته. معناه ان احنا لابد نعود ونعدلوا الجليسيمي كابيلير على كل ساعه يلين يتاكدوا اعلنها قضت عاد اقل من 2.5 تأكدوا عن ذاك اللي الترو عينويك عنه انقفال عاد نورمال هذا من هون هو اللي عدنا نقد نعود نعدل اسباس بعده في كنترول في الجليسيمي. والقضية الأهم اللي كما قلت حد يعطي مولي هذا الإنسولين طويل الأمد اللونج أكتينج إنسولين حد ينفود عاد قضت قبل من 2.5 عاد ذاك الوقت يقدر قاش يعطي يدخل بيناتهم اللونج أكتينج إنسولين ياك يتم مغطي بيد انت مش يعني ما تعطي هذا انت لامزت عرضه على انك ترجع للقضيه مره اخرى وتم اللاف دائره تم تقيس الاسيتون تجبر القلع وتقابل وتم دكتور داخل دكتور احمد سيدي شكرا اعطيني دقيقه واحده قضيه اخيره هي اخبار طبعا ليس شيء مهم لانه الناس اللي عندهم الاسيتون يقد يعود قاع هذا هو السبب الرئيسي اللي دخل المريض في الاسيتوزيس ديابيتيك وبالتالي قاعد جزء تشخيص مهم ضروري. وأشكركم ولا نرجع نقول له على أنه لقد علقنا على نقطة الأسيتون والزيرين ومراقبتها وعلاج ذا الموضوع لماذا بالأساس والله بعد زمنيان موريتان هو اللي كان خارج لماذا هو إلى الآن مازال يمارس وشكرا. شكرا دكتور أحمد سيديا. طبعا لسه جمع اللي قد يعاوننا بأخبار الديسكاليمي الليبركاليمي والليبوكاليمي. دونك شكرا دكتور احمد سيديا مداخله ممتازه. طبعا انا اخترنا نقول لكم على اللي متوفر اساسا بالداخل بعد لا لابندلتيرينير ولينسيلين وليونوغرام في بعض الحالات وتوف وليبيلان ستاندر. لو حد عنده هذا درك انا قد يقبل ان شارج ان دي سي ا والله فرض عليه يمشيه ولا مشاش ونوكسون درك انا عنده لا غازومتري ولا ما عندهم هذا فريمون سيتين كيسيون مطروح. تفضلوا دكتور حدو معكم دقيقة تقريبا لأن قبل وسيلة الجماعة اللي كتبتها. شكرا جزيلا دكتور سيدياز ذاك الأخرى إن شاء الله ملاحظة قيمة جدا. كما تعرف الحالة لا مزال وكيف كان قضية لا مزال تجيرة بار لاسيتون في لاباندالي تيرينيا انتم قلتوها ولا فيبيان دي على عن ترواتيب دكورسيتوني وأهم واحد فيهم هو هيدروكسي بيتيريت الهيدروكسي بيتيريت لاباندريت الينير قاعد اللي موجوده قاعد ما ديتكتيف كما قلت ديتكتيف لا لاسيتو اسيتيك والله سون برودوي ديغراداسيون دي هو لاسيتون. دونك القضيه على لاسيتونيمي اللي هي اساسيه والبي اتش اللي هو اساسي والبيكربونات اللي هو اساسي كما قلت قاعد اللي يلا عود صافي بارتي مليون غرام مع لاناتريمي ولا كاليومي ولا كلوريمي هذا ما بعد عطسان فهمت. لاسيتونيمي قطعا ماشي انا عن المغرب العام الماضي قطعا ما يجي حتى المغرب لا هاي الأسيتونين ما بتعد فيه. دونك القضية لا مزال تجرب لا باندريت إرينير ويواجع ننقلوا لترو أنيو اللي هو عامل أساسي بالتشخيص ما بتعد خارج. أنا عند رواية لا لنا إحنا كأطباء أنا عن الإكزي جوهر يا كانت تتخارج يا كانوا يقولون قبل كوريكتما لا دي سي آ بي اللي هو بالحقيقة كلمة زماتيا عن ديكالاج زماتيا عن ديكالاج من بين الأسيتونين اللي في الدم ومن بين الأسيتونيري اللي في البول اللي هو يقدروا عند كلمة لا جليسيمي ولا أسيتونين في الدم عاد طبيعي يقال مازال فيما فيها بقايا من الاسيتون في البول وذاك لا يودي نحن على ان نتم لا نعطي الانسولين وذاك يدي بروفوكينا الهيبوغليسيميا. هذا فعلا مشكله ويلا تناقشوا يلا اساتذتنا والسبيساليست ثم دائما اكزيجو في لابوراتوار دي زوبيتو على الاقل بعد لي زوبيتو دو ريفيرونس اكزيجو فيهم بعد هذه الامور الاساسيه. قضيه لا غازومتري اما كونيسونس اي خارجه يكون دا سنتر دو كارديولوجي وحده والوحيد اللي عدل لا غازومتري فهمت. البي اتش قاعد اللي هو صافي بارتي ديجنوستيك لا دي سي ا ماو خارج يكون في لو سنتر دو كارديولوجي. وفعلا كيف ما قلتوا في الماتش هذه قضيه عن ليونوغرام يلا يعود فيه البيكربونات به اللي عامل اساسي في التشخيص وفي الديجنوستيك على عندنا مرض قاع عنده خال
من الاسيتو اسيدو ديابيتيك. شكرا دكتور. Voilà, là il y a deux questions écrites, on a pris le clam docteur Sidina Rezida en endocrinologie. Docteur Agrabat, voilà, docteur Agrabat, Gal, j'ai quelques questions. D'abord, je me demande sur le profil, bon, la prévalence de diabète en Mauritanie, le profil épidémiologique au pays. Docteur Khattari, j'espère que vous avez noté les questions. Docteur Haddou, voilà, pour docteur Khattari, pour le schéma d'insulinothérapie, voilà, c'est un des schémas d'insulinothérapie, voilà, je pense que vous avez parlé de ça. Docteur Agrabat, deuxièmement, je crois que la cytoacidose est très difficile à gérer en dehors de la réanimation. Docteur Kharchi, le dosage d'hémoglobine glycée a-t-il un intérêt dans le dépistage du diabète dans notre pratique quotidienne? Docteur Agrabat, encore, deuxième question, je veux savoir l'expérience des collègues sur la gestion des schémas insuliniques des patients, car nos patients sont très difficiles à gérer. Ils n'acceptent pas les multiples piqûres, voilà. Et donc, on n'a pas vraiment une idée sur l'équilibre glycémique. Tfadlou, docteur Haddou, nous allons vous répondre à les remarques ou les questions. Shukran jazilin. Bonsoir, docteur Agrabat. Ouvrez le profil épidémiologique des DCA, voilà, on a un mot connu de Mauritanie. Femte, ma femme a fait des études à ma connaissance. يتكلموا عن الانسيدانس باللي في الحقيقه ما في متاجع عن سيرفي داندوكرينولوجي ديجا اكزيست في البي يعودوا يخلقوها ولا زيتيد دونك هذاك مازال فيه تقصير متين في قضيه لا جيستيون دو لا دي سي ا دابيتيد السيجير دائما لا في ليزيرجانس هو قطعا عنها تري فريكونت سي رار لا عن اكتيفي ان غارد في اي اوبيتال اللي بعد مو في البي كامله سان زافوار ان دي سي ا بار جور. Donc c'est une complication très fréquente pour les urgences. Ou d'habitude, ça se gère aux urgences. Ça dépend des degrés. Comme si on fait 3 degrés. D'habitude, nous avons une céto simple, voilà, une céto-acidose premier degré, degré minime. On a des bicarbonates, mais aux alentours de 18, l'acidose même si la gestion est très facile. Le patient il est conscient. Comment c'est ton hydratation, l'insulinothérapie, l'infection est traitée. Au bout de 24-48 heures, le patient sort de la DCA et puis il rentre dans l'autre. Maintenant, nous avons une DCA sévère. Il y a des bicarbonates inférieurs à 10 où l'acidose est importante avec une dyspnée d'équismol. Il y a le patient, sa conscience, mais il y a la gestion d'habitude, ça se fait au niveau de la réanimation parce que c'est mieux ou la surveillance elle est beaucoup plus rapprochée. Bien sûr, l'acceptabilité des patients diabétiques ou mauritaniens, l'insuline, c'est un vrai problème. Il y a un insuline qui est un iqab. Donc c'est une punition à l'insuline. Où les médecins, ils ont l'habitude de prendre l'insuline comme une arme, comme une menace pour les patients. Du coup, les patients ont besoin d'accepter l'insuline dès qu'ils se mettent en place. C'est un peu difficile. Je pense que là, la façon d'aborder les sujets avec les patients dès le début, c'est un médicament, c'est un traitement qui est comprimé. Ou comme un sucre est en train de se faire avec le temps. يبدا يعود ينقص فيه الانسولين يعود يكسي على قدر الانسولين. انا بعد صرا من اكسبيريانس اغلبيه لي باسيان لا جريب على كونفينكر على انهم يقبلوا الانسولين. فهمت بالنسبه لان كيسيون كونسيرنا ليموغلوبين غليكي و لا فيزابيليتي بور كي سوا ان كريتير دياغنوستيك في البي جو بونس انا ديفيسيل باسكو هو ليموغلوبين غليكي سورتو لي امريكان هما لي كونسيديرو كوم ان كريتير دياغنوستيك من 6.4% مي شينو parce qu'il y a beaucoup de pièges pour l'hémoglobine glycée, il y a beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire là, les hémoglobinopathies qui sont très répandues entre nous, la drépanocytose, les bêta-thalassémies, l'anémie, enfin, tout aussi le diagnostic de l'hémoglobine glycée. Donc le fait de le prendre comme un critère diagnostique venant du pays, je pense que c'est un peu difficile. Il faut se contenter de la glycémie à jeun. Voilà, merci. دكتور سيدينا ريزيدان اندوكرينولوجي تفضل. دكتور سيدينا انت ايها الاسماء تفضل. مرحبا السلام عليكم. انا جي ريمسي فينيمون دكتور حدو لا بريزونطاسيون تري بيرتينونت تري ديتاي تري كلير. لو سيجي تري امبورطون كار لي ساجي بون جي با ايت لون جوست نعرف عن الوقت ضيق.
اخترت ان نتدخل في ابروبو دو لا سيتونيمي نقول انا سي با سي با اوبليغاتوار بور بروندر ان شارج ان سيتو اسيدوز ديابيتيك aussi bien si on suit les recommandations. La même chose dans notre pratique courante, on n'exige pas la cétonémie pour prendre en charge une cétose diabétique. D'ailleurs, ça n'existe pas, ce n'est pas disponible les bandes de lait en Tunisie, aussi bien au Maroc. Donc, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas un critère. Bon, ce n'est pas obligatoire. Alors, on peut bien prendre en charge en se basant sur le diagnostic clinique d'abord, et puis les bandes de lait vétérinaires et la gazométrie. La gazométrie, c'est vrai que c'est intéressant, c'est très important. Dans notre condition, à notre shop, il n'y en a pas. Peut-être au centre de cardiologie, à l'intérieur, il n'y en a pas. Mais on peut bien diagnostiquer une acidose cliniquement devant des signes respiratoires. Donc, devant une dégradation sévère associée à des signes respiratoires, on peut bien suspecter fortement une acidose. La prise en charge, comme a été bien détaillé, la kaliémie. Ce qui tue le malade, c'est l'hypokaliémie, c'est l'hypoglycémie et c'est l'œdème cérébral. Donc, il faut, dès qu'on a une diurèse, il ne faut pas avoir peur de donner du potassium. Bien sûr, les ionogrammes, c'est obligatoire. Les hypoglycémies, il faut l'éviter. Donc, il faut une surveillance rapprochée, deux heures de temps. Chaque deux heures de temps, on prend une glycémie capillaire pour voir notre patient. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il fait une hypoglycémie? Est-ce qu'il est supérieur à 2,5 ou inférieur à 2,5? Chose très importante, il ne faut pas arrêter l'insuline tant que la cétonie ne se négative pas. Parce que l'insulinothérapie, il ne faut pas oublier que notre départ, c'était une insulinopénie. Donc, le point de départ, c'est une insulinopénie. Donc, si on n'a pas d'acéton négatif, on ne doit pas arrêter l'insulinothérapie, même si la glycémie est 1,5, 2. Donc, l'objectif, comme a été dit, c'est aux alentours de 2. Donc, il ne faut pas arrêter l'insuline tant que l'acéton n'est pas négatif, parce que l'objectif de l'insulinothérapie n'est pas seulement baisser la glycémie, mais aussi pour convaincre l'hypolyse et la cétonémie. Le point l'akhra, il met à l'arbre des malades qui sont les diabétiques type 2 qui font une compensation à ce sujet. Le plus souvent, il s'agit d'une atteinte cardiovasculaire, donc il ne faut pas passer à côté d'une infarctus du myocarde, d'un AVC ischémique, d'un accident vasculaire transitoire devant une acidose diabétique. OK. Merci, docteur Sidina, merci beaucoup. Parmi les situations difficiles, docteur Haddou, les patients qui sont dans les hôpitaux, j'ai un patient qui a une insuffisance cardiaque avec une DCA, vraiment la réhydratation musculaire, vraiment un patient qui est difficile à gérer. Si vous pouvez rajouter quelque chose dans ce sens, ou alors, Mali, attendez-vous à l'égard du docteur Sidina. Merci, docteur Sidina, Inch'Allah, les remarques qui sont très pertinentes, les complétant le sujet. Je pense là, si on est devant un patient qui est cardiaque, voilà, un patient qui a une insuffisance rénale chronique, stade terminal, c'est une situation vraiment très délicate. Donc, d'habitude, nous, on prend l'avis des cardiologues. C'est eux qui précisent en fonction de la pathologie cardiaque, en fonction de l'atteinte cardiaque, est-ce que l'insuffisance cardiaque est sévère, est-ce que la fraction d'éjection est très basse. Enfin, en fonction des critères du degré d'atteinte cardiaque, eux, ils proposent une réhydratation. Et d'habitude, vraiment, c'est une réhydratation qui est très minime, d'habitude 1 litre par 24 heures, parfois 1 litre 5 pendant 24 heures. Et donc, avec une surveillance stricte, rapprochée, auscultation cardiaque, à la recherche des rares crépitants ou bien à la recherche des signes de surcharge. Donc, vraiment, c'est une situation délicate. D'habitude, on prend l'aide des cardiologues pour prendre une décision du degré de la réhydratation. Merci, docteur Sidina, qui m'a dit que la cétonémie, effectivement, ça ne fait pas partie de. Ok, des obligations une dernière question écrite. Si on a la.
une dernière question écrite. Est-ce qu'il y a des nutritionnistes au pays? Des diététiciens au pays? Bon, à ma connaissance, non, je pense pas. Peut-être vous m'avez des formations rapides dans la nutrition, mais il n'y a pas de gens qui ont un diplôme, voilà, un DU de nutrition. Ça se manque OK. beaucoup dans les pays. D'habitude, les endocrinologues, ils ont une petite expérience en nutrition parce que ça fait partie de leur cursus. OK. Docteur Ahmed Sidi, تفضلوا. كلمة بعض أخيرة في أخبار بعض اللي أخبار لا كوندويت. لا كوندويت اللي لا يغيرها لا السبيسياليست. المزارع حد متوقع مننا أن تطرح له لا كوندويت ما لا يتخلق. الذي ناقصها نحن هو ديالا نجبروه بذا اللي موجود في منفرس المختبرات عليه ونعوده يوميا نعدله. نيم نعدله ما لا يتغير. ما مقبول نأكد مرة أخرى عن لا سيتون والأمور اللي مازالت تتابع ولا زيرين. والقضية الأخيرة بعض اللي نقول دكتور رضيب قلت كنا هو نعدلوه تجربة في الميدان ولا بعض الرواية عملية في سيدي بابي أساسا في هاوي الجليكوميتر وقط وفرت منهم كمية قليلة فم وعاد يعدل منهم جليسامي شاكر في الناس اللي لست ديابيتيك وفعلا لاحظوا على أنهم كانوا مرات يدخلوا لباسيون شي ليبوغليسامي كان ما ضروري وكان لابد تفادي وفعلا كانت تجربة ما زالت تجربة ناجحة وهي لا تطرح مشكلة ثمنها انتم فرضتوا المريض على انه يشري لبانديلات هو يقد يشري هذا الجهاز ويتم عنده وقت اللي دخل نقل الطب يشري لبانديلات ويتم عمله له في بلا كوندويت واذا يدخل في عقل المريض بالطريقه اللي هي الدور تنحل المشكله نوعا ما وتتغير لا كوندويت ولين تم منحنوا المستشفى الوزاره تغير في الموضوع ما يتغير شيء والسلام عليكم. بارك الله فيك دكتور دكتور حدو سيل فو بلي اون كونكليزيون اون كونكليزيون دكتور دونك حدو بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا لا لا كونكليزيون دو لا سي ا تي دونك يلا على دياغنوستيك فاسيل اي لي كلير ان براتيك سي اون هيبر جليسيمي سبيرا 2.5 افيك دو كلو داسيتون دو كلو دو جليكوزوري كومونسو بار لا ريدراتاسيون لا تعجل على الانسولين عندها اون اور دو تان اون فوا تعطي المريض 1 لتر de réhydratation, votre ionogramme. Tu commences la supplémentation en potassium en fonction de la kaliémie initiale et puis surveiller et rechercher s'il y a une infection, voilà, un facteur déclenchant et surtout un ECG devant tout patient qui a une décompensation cétoacidosique et la surveillance. Quand vous avez une DCA aux urgences, il faut dédier un infirmier qui est malade, qui a une charge de mérite qui est à la saison, qui a une glycémie, qui a une acétonurie. Mais les complications que doivent grave. Ok, excusez-moi, il y a une question écrite, c'est docteur Salem. Merci de ma question. Voilà l'intérêt de frictosomie, diagnostic et thérapeutique. Fructosamine. En fait, fructosamine, il y avait un moment qu'on l'utilisait pour le diagnostic du diabète, mais sa fiabilité elle est très médiocre par rapport à l'hémoglobine glycée. Actuellement, il est surtout utilisé dans le diagnostic du diabète chez les femmes enceintes. Parce qu'en fait, l'hémoglobine glycée n'est pas fiable chez les femmes enceintes, vu un problème d'anémie, d'hémodilution. Donc, parfois, on utilise la fructosamine chez les patients, chez les patientes qui sont en état de grossesse, parce qu'il est plus fiable que l'hémoglobine glycée. À part ça, ce n'est plus utilisé pour un moyen diagnostique. Ok, merci Dr Haddou. C'est une urgence médicale très grave. C'est une complication aiguë du diabète. Voilà. La réhydratation est plus importante que l'insulinothérapie, surtout au début. Donc, éviter l'hypoglycémie, éviter l'hypokaliémie, faire le CG systématiquement. Et n'oubliez pas la surveillance. Vraiment, la surveillance d'un patient qui a une DCA, c'est une surveillance qui doit être rigoureuse. Donc, je tiens à remercier Dr Haddou. وشاكر مولي الجماعه كامله اللي دخلت طبعا هذا الفيديو يعود ديسبونيبل على قناه جروب دو ستاف ميديسين موريتانيا سير اليوتيوب فوالا شكرا جزيلا دكتور حدو شكرا لكم الله يبارك فيك جزاكم الله خيرا مرحبا